Bon, les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continuer le Robocop avec les numéros 56, 57 et 58. On pense à s'abonner à la chaîne, à rejoindre le groupe Facebook de construction, le groupe Robocop francophone et on est parti pour ces trois numéros là. Numéro 57, 58 et 59. Note 57. Les réhabilitateurs urbains. Taille 4 et base 4. Note pas à pas. Notre résultat final. La main bionique Hans. Nano laminé, le 58, ED209 fidèle comme un chiot, le pelvis 8 et le support partie 2, un autre pas à pas, on vient mettre nos mousses, commencer à faire la pince. Patrick inspiré de Bob l'éponge. Nanotechnologie. Et enfin, Note 59 à l'avant-garde numérique. Le support 3. Donc on va finir notre pince et notre base sera terminée. Tommy le robot infirmier. Robot autonome. Et on est parti pour ces trois numéros-là. Alors les pièces de notre numéro 57. En A, on a deux connecteurs. En B, un cache-vis. En C, c'est le support inférieur de l'articulation lombaire 2. Et en D, on a un joint lombaire supérieur. On a des vis CP et des vis EP. On vient au-dessus, par ici. On va mettre notre pièce A en place juste ici, en mettant bien le pitot dans le trou. Par le devant, on va y mettre une vis CP. On vient ensuite emboîter notre pièce C par l'arrière. Avec la partie ronde vers le haut. On met ensuite notre numéro 53 devant. On vient derrière par ici. Et on va mettre 4 vis EP dans les trous. Pendant qu'on est par là, on va venir mettre notre cache-vis juste ici. Comme ceci. Donc voilà déjà pour son autre Robocop. On vient ensuite en dessous de notre base. On va mettre notre connecteur. Juste ici et on les enfonce à fond vers le bas. Et voilà pour ce numéro 57.
Les pièces de notre numéro 58. En A, on a la pince Fitz. En B, des semelles. Et en C, un cache-vis. On va commencer par venir mettre le cache-vis au niveau des fesses, juste ici. Comme ça. On vient de faire ensuite une des mousses que l'on vient coller à l'intérieur de notre pince. Comme ça ici. Et voilà pour ce numéro 58. Alors les pièces de notre numéro 59. En A, on a la pince mobile. En B, les semelles. En C, le ressort des vis VM et des vis EM. Donc, les semelles elles font la même dimension que celle du numéro précédent. Donc moi, je vais garder les deux. Ça peut toujours dépanner et je préfère qu'elles soient accrochées ensemble. On vient mettre, du coup, la semelle à l'intérieur de notre pince A. On vient mettre notre pince mobile à l'envers. Notre ressort dedans, en bloquant bien dans le petit creux. On récupère la pince du numéro 58. On voit qu'il y a le creux également pour pouvoir venir bloquer. On met une vis VM au-dessus. On vient vérifier le fonctionnement. On voit que ça fonctionne bien. Elle se referme nickel toute seule aussi. On récupère notre barre. On vient mettre à la hauteur que l'on souhaite. Donc eux, ils disent dans les deux avant-derniers trous. Et par derrière, on va mettre deux vis EM. On peut ensuite venir l'emboîter juste ici. Comme ça, et du coup, on va mettre notre bottom. Et ça viendra nous le tenir en place. Et voilà, pour ces trois numéros-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc moi, ça y est, il a remonté là-haut, il a repris sa place. En attendant la suite, j'espère qu'on aura le prochain colis bientôt. En attendant, pensez à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!